Et bonjour à tous, c'est John Jodan. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite vidéo. C'est vrai que à chaque fois sur la Jap, j'oublie que les célébrations, en fait, à 17h, on a les infos. Du coup, j'aurais pu très bien attendre 17h pour sortir la vidéo concernant les stats des ZTER, mais à chaque fois, j'oublie. Donc, tant pis, troisième vidéo de la journée, elle va pas durer longtemps, 5 minutes tout au plus. Donc c'est pas grave, tant pis, hein, voilà, c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Ça va pas durer longtemps. De toute façon, à l'avenir, quand j'aurai accès à l'onglet communauté, ce genre de vidéo, ça n'existera plus, hein. Je ferai juste un message sous forme de post. Ce sera beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein. Ça va être très rapide. Alors j'ai parlé avec YouTube sur Twitter, ils m'ont dit de... Enfin, d'abord ils m'ont dit de faire une manip qui était déjà faite, voilà, hein, évidemment. Et après ils m'ont dit bon bah contactez machin sur tel lien et demandez-leur pourquoi. Et donc je l'ai fait, donc dès que j'ai une réponse, bah je vous dirai. Hein. On va voir s'ils me débloquent la situation ou pas, bah il n'y a pas de raison. Alors donc, en fait il y a une mini célébration sur la version Jap avec l'arrivée des 3 ZTUR. Donc là voici, c'est voilà, c'est rapide. Hein. En fait c'est une célébration un peu sur, sur 3 jours là, vous voyez, 5-8, 5-9, 5-10. Et on va avoir chaque jour un rouleau. Donc vous voyez ici. Et avec chaque rouleau, on pourra acheter un des 3 Kamehameha familial. Qui sont ici. Enfin, c'est pas eux, c'est pas eux, mais voilà, c'est eux. Donc on pourra acheter un des 3 à chaque fois. Franchement, c'est cool parce que si vous en avez aucun, bah, vous pouvez avoir les 3. Si vous les avez tous, bah vous prenez les donglons en fonction de ce qui vous intéresse, quoi. Donc c'est quand même très très sympa, hein, c'est cool. Hein. Donc surtout sur la globale, avec la DS rouge qu'on aura pendant les 3 ans, n'achetez pas une de ces cartes là, parce qu'ils seront disponibles ici avec la DS rouge, surtout ne le faites pas, parce que ils seront disponibles ici gratos. Enfin, la DS rouge est gratuit aussi, mais là on peut acheter que ça, donc surtout ne le faites pas sur la globale. Donc il y a un bonus de co spécial qu'on va aller voir de suite, qui est juste ici. Qui est assez violent, hein, enfin violent dans le bon sens. Hein. Donc le 8, on aura 5 et 8 DS, le 9, 5, et 5 plus 9 DS, et le 10, 5 plus 10 DS. Soit 42 DS sur 3 jours, les gars. 42 DS. Ça fait beaucoup. D'habitude, 42 DS, c'est un mois. Hein, une DS par jour. Bon, même pas en fait. Hein. Donc, moi, ça me va. Hein, ça me fait extrêmement plaisir. Hein, comme ça, je vais monter à 100 DS pour le prochain portail. Voilà, parce que je rappelle, je suis free to play presque sur la Jab. Donc, du coup, ça me fait plaisir. Donc, on retourne sur la célébration. Donc la célébration, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le ZTUR, donc event évidemment. Donc on verra comment ça va fonctionner vu que je crois qu'il y a 3 types de médailles pour chaque personnage. Alors est-ce qu'il va y avoir 3 niveaux différents ou pas? Je sais pas. Ou alors on va récupérer plusieurs médailles sur le même niveau. J'en sais rien. Ou alors on va affronter 3 ennemis, ça se trouve. Je sais pas. Il y aura un portail d'invocation à partir de demain a priori. 5-8, ouais c'est ça. Alors je sais pas si c'est en heure PST ou c'est pas indiqué, mais si c'est en heure normale, bah c'est demain, ouais c'est demain. Alors c'est un peu bizarre quand même un portail dédié à ces personnages alors qu'ils nous les offrent avec les rouleaux. Le portail il a intérêt d'être très très lourd hein, parce que avec des grosses cartes à côté ou un taux doublé, je sais pas, mais bon, vu la tronche du... Les taux doublés non, c'est réservé au, vous savez, à la bannière taux doublé. Il n'y a pas de taux doublé sur d'autres portails que ceux-là. Donc je pense pas que ce sera un taux doublé, ce sera peut-être un SSR garanti, j'en sais rien. Ah bah de toute façon, tous les portails sont SSR garanti. Je sais pas, mais il faut qu'ils mettent du lourd à côté, parce que sinon je vois pas comment on va vouloir invoquer là-dessus. Enfin moi j'invoquerai pas de toute façon c'est sûr, mais même les cash players, je vois pas, enfin je sais pas. Bon, à moins si, ouais, si les cash players vont peut-être vouloir mettre à 100% les 3 personnages, après il faut avoir les orbes aussi. Hein. Et bah ça c'est le rouleau, hein, ça c'est le rouleau, donc j'en avais déjà parlé juste avant, ce qu'on voyait ici. Donc c'est l'event consacré au rouleau, donc c'est tout, hein. Ouais, vous voyez, c'est très très rapide, donc un portail, un event quand même qui va être assez intéressant, je pense qu'il y aura pas mal de DS à récupérer, certainement des orbes, d'Aikai comme pour les autres, donc c'est très très cool. Ça pareil, ça arrive demain, donc on fera ça demain soir en live et on verra si c'est compliqué, pas compliqué, est-ce qu'il faut une catégorie en particulier pour briser la barrière, etc, etc. Puis on verra la tronche du portail demain soir aussi, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, on verra bien. Donc voilà, donc ce soir, je rappelle qu'il y aura un live pour farmer le TB sur la version globale. Et aussi, on ira sur la version Jap, puisque, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que hier soir, avant de me coucher, j'ai fait une single. Et que j'ai droppé Vegeta SSJ Blue Evolution. Voilà, la single du désespoir. Vous voyez, moi les singles, ça me va toujours, hein, même avec le CSR garanti. C'est pas grave, moi j'adore les singles. Et voilà, donc un leader de plus qui tombe en single...
tombé du camion. Donc on l'éveillera ce soir, voilà, il me manque que deux médailles je crois. Donc on fera une fois le boss ce soir et puis on l'éveillera ensemble et puis on fera peut-être un boss vite fait pour le fun, pour tester ma team. Qui est juste ici je pense, elle est pas mal, c'est sympa, les deux SSJ4 ça va être une tuerie, etc, etc. Bardock Timebreaker que je vais pouvoir ressortir, ça fait plaisir, voilà, c'est ce que je peux faire à peu près de mieux hein, sur mon compte, ce qui est déjà pas mal. Donc on verra ça ce soir, donc sur ce les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, hein, voilà. Donc n'oubliez pas pour le soutien, abonnez-vous, le pouce bleu, la cloche, Twitter. Sur ce, passez une bonne fin de journée, certainement à tout à l'heure pour la plupart d'entre vous, pour les autres, à très bientôt. Salut !